Les ichtyologues étrangers et nationaux, c'est-à-dire les biologistes qui étudient les espèces de poissons, leur environnement et leur mode de reproduction, sont ici réunis à l'occasion de la 7e conférence internationale de l'Association panafricaine des poissons et pêches. C'est une rencontre qui vise à faire le point des recherches menées sur le poisson. Notre pays n'a pas encore fait l'objet de travaux très fouillés en matière de diversité de l'ichtyofaune de ces eaux. Néanmoins, en dehors des données anciennes recueillies avant l'indépendance, la recherche sur les poissons des eaux congolaises n'a véritablement pris de l'ampleur qu'au début des années 1990 au niveau des eaux de la partie inférieure des bassins du Kwilu et de la Louémé dans le Mayombe. Plusieurs communications scientifiques, orales ou écrites, seront données au cours de cette rencontre. Elles permettront de faire le point sur les connaissances récentes, les problèmes non résolus jusqu'ici et les défis pour le futur. Soulignant l'importance du poisson, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, voit en cette rencontre une occasion de partage afin de comprendre davantage cet animal aquatique. Le poisson présente un intérêt réel, non seulement parce qu'il nourrit les populations, mais le poisson, au-delà de l'alimentation qui concerne les humains, peut concerner aussi le bétail. Le poisson participe au cycle de la vie. Je voudrais vous inviter à des travaux laborieux, à des échanges très fructueux. Et nous sommes impatients de pouvoir recevoir les conclusions de cette rencontre qui ne manqueront pas d'être relayées par l'Agence nationale congolaise de valorisation des résultats de la recherche. Organisée sous le thème « Poissons et pêches africaines, diversité, conservation et gestion durable », cette conférence internationale prendra fin le 22 septembre.